Bonjour mon grand. Madame Matsuda est au café et elle s'est mise une tenue voyante vraiment pas convenable pour une femme de 80 ans. Ça te fait toujours rigoler. Tu devrais descendre voir ça. Ah, l'université a encore appelé. Les cours ont commencé depuis quelques semaines, tu sais, mais ils disent qu'il n'est pas trop tard pour s'inscrire. Naviro, on voulait juste savoir comment tu allais et te dire qu'on pensait beaucoup à toi. On aimerait que tu sois avec nous. Hiro, si je pouvais choisir un seul super pouvoir aujourd'hui, ce serait d'avoir la capacité de passer à travers cette caméra et de te serrer très fort. Bonjour, je suis Baymax, votre assistant médical personnalisé. J'ai entendu un cri de détresse. Quelle est la source du problème? Sur une échelle de 1 à 10, quel est votre degré de douleur? Est-ce sensible au toucher? Vous êtes tombé. Sur une échelle de 1 à 10, quel est votre degré de douleur? Vous avez le droit de pleurer. Pleurer est une réaction naturelle à la douleur. Je vais maintenant vous scanner. Scan terminé. Vous n'avez aucune blessure corporelle. Néanmoins, votre taux d'hormones et de neurotransmissions indique que vous êtes sujet à des sautes d'humeur, fréquentes à l'adolescence. Diagnostic: puberté. Attendez-vous à une augmentation de la pilosité, surtout au visage, thorax, aisselle et... Il se peut que vous ressentiez aussi de nouvelles pulsions puissantes. Je ne pourrai me désactiver que si vous dites « Je suis satisfait de mes soins ». La puberté est une période confuse pour l'adolescent qui s'apprête à entrer dans l'âge adulte. Votre mini-robot essaie d'aller quelque part. Est-ce que ça apaiserait vos tourments prépubères? Waouh, t'es de...
Est-ce que tu vas à l'université pour t'inscrire? Mon grand, quelle bonne nouvelle! Pour fêter ça, on fait un festin ce soir. Je vais faire mes bonnes ailes de poulet, la recette cajon avec la sauce forte qui brûle la bouche et les lèvres. Ouah. Génial! Un dernier câlin.